coucou les garçons. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Bon copain. On espère que vous allez bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que vous vous préparez à faire aujourd'hui? On change pastèque. On va faire exploser une pastèque. Ah bon? On va la faire exploser, mais comment? Avec des élastiques. Avec des élastiques, ouh là là, ça a l'air super sympa. Alors effectivement, on va relever le challenge de la pastèque qui explose. En anglais, le watermelon explosion. Vous êtes prêts? Oui. Et il va falloir en mettre des élastiques, hein. C'est-à-dire qu'on va saucissonner notre pastèque, on va lui mettre un maximum d'élastiques autour. Et normalement, au bout d'un moment, voilà, ça doit être l'explosion. On va voir ça. Allez, on commence? Oui. Vas-y. Donc Néo met les élastiques. Et puis Swann, tu vas pouvoir défaire les petites balles pour mettre un maximum d'élastiques à la disposition de ton frère. Allez, allez, on y va. Alors on a trouvé des élastiques un petit peu de toutes les couleurs, voilà. Très joli. On a un temps magnifique, on a beaucoup de chance, donc on va en profiter. Bien sûr, les copains, si vous voulez relever ce challenge, on vous conseille de le faire en plein air. Parce que vous verrez qu'au moment où ça explose, on en met un peu partout quand même. Donc à l'intérieur, je ne suis pas sûre que vos parents soient d'accord. Hein. Ah, première explosion d'élastique. Allez, allez, on continue, on continue. Alors les garçons portent bien sûr des lunettes de protection. Oui, là aussi, on vous conseille de faire attention quand même. Vous voyez effectivement que Néo a un élastique qui vient d'éclater. Ah, un deuxième d'ailleurs. Donc il est préférable de protéger ses yeux avec des lunettes. Et puis bien entendu, au moment de l'explosion de la pastèque, ben, ça évite aussi de se prendre de la pulpe dans les yeux. C'est toujours mieux quand même. Hein. Ça va les garçons? Ça va. Ouais, Swann aussi? Oula. Bon, vous êtes super appliqués, c'est très bien. Allez, allez, du courage. On continue. Oh, ça prend forme quand même, hein? Ouais. Allez, allez, encore, encore. Alors, on a trouvé nos petits élastiques. Voilà, sous forme de balles. Sympa, hein? Très joli. Et il faut bien tout ça parce qu'effectivement, il y en a pas mal qui rendent la main. Donc, il va falloir en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup pour sensibiliser notre pastèque. Ça va, Néo? Ça va. Je te les passe. Hein. Concentré. Et Swann aussi. Swann, il passe les élastiques. Ça va, Swann? Tu t'en sors aussi, toi? Oui. Oui? Ça va? Un peu. T'es trop mignon avec tes lunettes sur le nez. Travail d'équipe pour les garçons aujourd'hui. Swann défait les élastiques. Néo les met autour de la pastèque. Allez, Néo! Allez, courage, courage! Ah oui! Ça va les garçons? Ça va! Ah, ça progresse, ça progresse! Bon, est-ce qu'elle est un petit peu fragilisée? Pas vraiment. Bouf, 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 pour l'instant, hein? Tous les élastiques explosent. Oui, en fait, c'est une explosion d'élastiques plutôt. Hein. Bon, ils sont pas super résistants, nos élastiques. Ça va, Swann? Oui. Oui? J'ai fini une boule noire. Une boule noire d'élastique, c'est bien. Swann, il est super concentré, il prend son travail très à cœur. C'est bien, mon cœur. Et toi, Néo, c'est bon? Hop, ouais. Néo, allez, hop, 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 tu vas avoir des mains solides comme tout, des mains de Hulk. À force de manipuler les élastiques. Allez, on continue. C'est très long à faire, les copains, en fait. Hein. Faut savoir que là, on a mis énormément d'élastiques. Il y a un bleu marine qui a explosé. Oh là là, encore un bleu marine qui a explosé. Oh là là, oh là là. Allez, je donne un coup de main aux garçons. On va en mettre encore et encore et encore. Allez, alors on a rajouté des gros élastiques. Hein, parce qu'effectivement, avec les petits, c'était pas assez aussi solide. Fais voir. Ça s'est fissuré là. Ah oui, oh là là, ça y est. Ça y est, notre pastèque commence à donner des signes de faiblesse. Ah bah faut continuer les garçons, vous y êtes presque. Alors les petits élastiques, ils éclatent en même temps que la pastèque. Heureusement, on a mis quelques gros. Oula. Et je pense qu'avec les gros, on va avoir quelque chose de plus rapide quand même. Allez, on continue, on continue. Oh là là, ça explose de partout, les élastiques. Un petit peu de jus de pastèque aussi. Allez, c'est bien les garçons, c'est bien, vous faites du bon boulot. Allez, on y est presque. On y est presque. Alors, Néo passe aux choses sérieuses. Allez,
format au-dessus pour Néo aussi. Bah, c'est plus dur à mettre ça. Hein. Allez, vas-y, tire fort. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ils sont beaucoup plus solides. Attention de ne pas faire tomber la pastèque. Ça va aller ça... Allez, allez, ça coulisse, voilà, c'est bien. Ça la fragilise. Tu crois? Oula, Swan, il fait du lancer d'élastique. Un lance-pierre. Un lance-pierre. Voilà, là, je l'ai bien mis. Ouais, super. Bon, elle perd beaucoup de jus, du coup. Splitch, splitch, on voit les petites gouttes. Ouais. Là, on sent qu'elle est un peu serrée, déjà. On est en train de lui faire une taille de guêpe à notre pastèque. Allez, on l'affine pour qu'elle puisse rentrer dans sa robe de bal. Allez, Miss Pastèque. Non. Alors, les petits élastiques ne tiennent pas trop le choc, en fait. Hein. Il y en a beaucoup qui explosent. Heureusement qu'on a prévu quelques gros. Hein. Bon, alors, les gros, ils sont moins jolis, c'est vrai, ils ont moins de couleurs, mais ils sont plus efficaces. Ils font mieux leur travail d'élastique. Ça te fait les bras, hein, de mettre les élastiques. C'est un bon exercice. On se muscle en mettant des élastiques autour d'une pastèque. Je vais regarder toute petite. Oh, pardon, ma boule. Allez, allez. Elle perd encore du jus. Allez, Néo. Solide. Tu sais que si on a des petits aussi, hein. Si on a des petits. Si on a beaucoup des petits. Vous y êtes presque. C'est bien, les garçons. C'est sympa à faire, hein. Ouais. Belle expérience. Faut servir de patience. Les petits trucs qu'on entend, je sais pas si c'est la pastèque ou les élastiques. Ça, c'est les élastiques qui explosent. Alors là, on voit hein, qu'elle est carrément creusée avec les élastiques. Donc effectivement, oui, on voit que ça l'entame. Bon. Mais hein, il y a encore beaucoup, beaucoup d'élastiques à mettre. Hein. Allez les garçons, on continue. Allez, maman, donne un coup de main aussi. Ah, c'est une activité familiale, hein, le challenge pastèque. Allez, allez. On continue. Tu sais qu'on peut faire à 5 aussi. À 5? Bon oui, on aurait pu faire à 10 même. Hein. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va pas exploser tout de suite. Hein. Ça c'est parce que la pastèque a fait un bruit suspect. Du coup, ils sont en alerte. Ça va les garçons? Ça va. Ah, vous avez fait du bon boulot. Petite pause? Ouais. Allez, on reprend dans quelques minutes. La pastèque va bientôt exploser. Swan nous a fait une belle provision d'élastique. Hein. Bravo mon chat. T'as bien travaillé, dis donc. Ah ouais. C'est bien. Hein. Swan, tu confies une mission, pas de problème. Hein. C'est fait. Hein. C'est bien, petit poussin. Elle perd du jus, hein. Ça fait des petites bulles, hein. On sent quand même que ça lui fait quelque chose. Vous imaginez les garçons après, comment on va se régaler avec ces deux grosses pastèques. Allez les garçons, allez, allez, dernière ligne droite, avant l'explosion, et avant qu'on puisse se régaler, hein, voilà. Elle a une drôle de forme votre pastèque maintenant, hein, vraiment. Ouais, quand même, hein, elle est... Elle a un nez crochu comme une sorcière. Je vais faire une petite pause. Après, oh là là, on regarde. Oh là là, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, les garçons. C'est explosé, ça. Oh là 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 là. Non, mais c'est bon, tu peux rester pour l'instant. Elle est en train de se... Oh, 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 oh. Thank you.
est super belle. Oh, vous avez fait du bon travail, hein. T'as vu ça comme elle est belle? Oui. Elle est très très bien coupée. Waouh, magnifique, hein. Avec un couteau, vous n'auriez pas fait mieux. C'est bien. Vous n'avez pas eu peur quand elle a explosé? Un petit peu, moi, quand même. Même pas. Ça surprend un peu quand même, hein. Bon, vous avez fait vraiment un truc magnifique. Regardez ça. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas fait aussi joli, hein. Toute propre, bien découpée, vraiment fantastique, hein. Du bon travail. Oui, on a utilisé quand même beaucoup d'élastique pour y arriver. Ça, c'est bizarre, ça fait une boule d'élastique. Une boule d'élastique. Ah oui, fais voir. Ah oui. On dirait une balle. Une balle, doing. Ça va faire une balle rebondissante maintenant. C'est un yo-yo. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, vraiment, hein, j'en reviens pas qu'elle soit aussi belle. Regardez ça, comme elle s'est bien coupée. Pfiou, du travail de professionnel, hein. Bon, on va quand même enlever les petits morceaux d'élastique avant de la manger. Ouais, quand même. Mais ça va, comme on a pris des couleurs, on les voit bien. On peut bien les enlever. Ça a l'air trop, trop bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette pastèque? On la mange. On la mange? Allez, les garçons, servez-vous. Bon appétit. Est-ce qu'elle est bonne, cette pastèque? Elle est super bonne. Moi, je vais goûter moi aussi, hein. Je veux goûter mon marteau. Oui, je veux bien. Alors oui, elle est juste merveilleuse, hein. Super bonne, sucrée et mûre à point. On se régale. Bon ben voilà les copains, c'est une nouvelle manière de découper votre pastèque pour cet été, voilà. Vous pouvez essayer ça dans votre jardin. Alors les garçons, vous avez réussi le challenge pastèque explosion ? Ouais, bravo ! Bravo, super ! Super, vous avez réussi, c'est une belle victoire, très bien. La vidéo du challenge pastèque explosion est terminée. Bon, ça vous a plu les garçons ? Oui, c'est super. Ouais, c'est vraiment une expérience super sympa à faire dehors quand il fait beau, c'est vraiment génial. Les copains, est-ce que vous aimez la pastèque vous aussi? Dites-le en commentaire! Pensez au pouce bleu! Et surtout, abonnez-vous! À bientôt les copains! Bye bye! À bientôt les copains, les copines! Et bonne dégustation si vous aussi vous mangez de la pastèque! À bientôt! I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, no, no. Allez, bonne dégustation, les garçons. Il y en aura assez, c'est bon.